Salut tout le monde, avec un peu de retard, suite à la sortie de la figurine d'Altaïa du buste Spider-Man, je vous présente le nouveau numéro, le numéro 23 de la collection de figurines Eagle Moss des films Marvel. Il s'agit d'Iron Patriot. C'est parti, on va découvrir tout de suite cette figurine, et dans un premier temps, comme toujours, on ne va pas manquer de regarder un petit peu ce qui se trame dans le fascicule. C'est parti. Iron Patriot, alors... Personnage que j'adore dans les comics, qui pour moi est une des plus grandes réussites, c'est une sorte de fusion de Captain America, on peut dire, et d'Iron Man, pour les gens qui ne connaissent pas très bien. En fait, c'est Norman Osborn dans les comics, qui est donc à l'origine du Bouffon Vert, le père d'Harry Osborn, le grand ennemi de Peter Parker, qui joue l'Iron Patriot. Malheureusement, bon voilà, je suis pas très fan d'Iron Man 3, et c'est donc Rhodey, qui joue d'habitude War Machine, qui est dans le costume... dans l'armure plutôt d'Iron Patriot. Alors, on va avoir la figurine dans quelques instants. Et donc, voilà, le personnage. Super classe. J'ai toujours aimé cette armure d'Iron Patriot dans les comics. Dans le film, elle est très bien faite. C'est juste que ben, c'est loin, 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 loin d'être aussi classe que ce que c'était dans les comics. Et c'est ce qui m'a un peu déçu pour ce qui est de ce personnage qui est apparu notamment dans Dark Avengers, comme on peut le voir ici, qui est un excellent crossover. On peut dire ça. Hein. C'est Harry Osborn qui récupère, Norman Osborn, pardon, qui récupère une armure, comme je vous le disais, de Tony Stark et qui devient Iron Patriot. Don Cheadle, donc on peut se rappeler que c'est pas le premier à avoir joué James Rhodey, hein, c'est le second, puisqu'il y a eu changement d'acteur entre Iron Man 1 et Iron Man 2. Voilà, c'est un bon acteur, je trouve qu'il joue bien. Je préférais peut-être un petit peu le premier. Mais voilà, rien à redire spécialement dessus. Ah, j'aime beaucoup le personnage War Machine, je le trouve assez drôle. Comme j'adore Iron Man Mark 2, ben c'est pour ça, voilà, j'adore la figurine, comme je vous l'avais dit à l'époque. Donc c'est vraiment, pour moi, quelque chose de bien. Puis voilà, retour sur Iron Man 3, sur ce film qui, encore une fois, ne m'a pas vraiment marqué. Puis derrière, l'affiche du film. Allez, on passe tout de suite à la figurine et aux choses sérieuses. C'est parti, les amis. Voici donc l'Iron Patriot. De chez Eagle Moss, on est au numéro 23 de la collection, je vous rappelle que je les ai tous. J'ai même plus ou moins réparé ma Scarlet Witch, qui est de retour de mon étagère, mais il faut pas trop que je la touche. Voilà. Voici donc la figurine, et c'est parti. On va zoomer un tout petit peu pour la voir de très près. Alors déjà, assez sympa, c'est ce que j'aime quand même dans cette collection, c'est qu'on a des détails à chaque fois qui sont indiqués, qui font que la posture, la figurine est un peu originale. Là, en l'occurrence, c'est le casque ouvert, où on reconnaît très bien le visage de Don Cheadle dedans. Alors, petit regret peut-être que ça aurait été mieux avec le casque baissé. Moi qui adore les armures, j'aurais peut-être préféré avec le casque baissé, mais je veux quand même saluer la bonne initiative d'Eagle Moss d'avoir ouvert comme ça le visage, parce qu'au moins c'est original. Et puis voilà, je trouve que c'est une très belle figurine. On va là, c'est sur l'armure maintenant, avec toujours des jolis détails. Alors, c'est des figurines peintes à la main. Alors, évidemment, c'est pas irréprochable. Des fois, ça dépasse, hein, mais bon, l'homme n'est pas une machine. Et moi, je préfère que ce soit comme ça. Enfin, remarquez que c'est un peu paradoxal de dire l'homme n'est pas une machine face à l'Iron Patriot. Mais bon. En l'occurrence, voilà, les détails, les pieds, les mollets. Toujours un souci du détail intéressant. Je vous rappelle que le prix de la figurine, c'est 15,99€. Que ça sort tous les 15 jours, que c'est Eagle Moss qui édite. Et bien entendu, hein, on est complètement en dépôt sur Comixiter. J'achète cette figurine toutes les semaines. Hein. C'est absolument pas Eagle Moss qui me la fournit. Je serais pas con d'ailleurs, mais en l'occurrence, voilà. Donc on reconnaît bien ici la petite arme qui est traditionnelle sur le costume de War Machine, puisqu'en fait, dans le film, c'est plutôt War Machine qui devient Iron Patriot. Hein. C'est pas la même chose que dans les comics où c'est vraiment Osborn qui vole l'armure. Voilà. Donc, que vous dire de plus, si ce n'est que je la trouve vraiment jolie, réussie. Voilà, ces derniers temps, je tape quand même assez régulièrement sur cette collection en disant que bah, voilà, les derniers numéros, le Mandarin, l'agent Coulson, etc., etc., c'était des numéros que j'avais trouvé franchement indispensables. Eh bien, il faut aussi savoir le dire quand on est content. Et là, je suis vraiment très très heureux d'avoir cette collection dans ma figurine, donc d'Iron Patriot. Pour ce qui est justement de mon futur à la figurine, alors... à cette collection, c'est assez drôle parce que finalement je vous en parle relativement souvent. Et bien voilà, je pense que
Elle va avoir un sursis cette collection, j'avais prévu de peut-être l'arrêter pour faire les bustes Marvel, finalement je vais pas faire les bustes parce que voilà, je les trouve un petit peu chers, que je n'ai pas énormément de place et que je préfère vraiment les acheter au cas par cas, évidemment je vous les ferai découvrir. Là j'ai vu un listing jusqu'au numéro 60 de cette collection, c'est le listing américain a priori. Donc qui dit listing américain dit évidemment que ce n'est pas forcément très très raccord avec nous, néanmoins on a quand même un aperçu jusqu'au numéro 60 et je comptais m'arrêter au 25 à Hawkeye, j'irai peut-être un petit peu plus loin. Puisque au niveau du numéro 29, 30, il devrait y avoir Black Panther, Doctor Strange. Ce sont des figurines que j'ai quand même vraiment envie d'avoir. Mais voilà, au bout d'un moment je m'arrêterai, j'irai pas au 60, puisque avoir la liste complète, eh bien on va avoir un troisième et un quatrième Captain America, je crois, un nouvel Iron Man, une nouvelle Black Widow. Dire au bout d'un moment avoir les personnages en double ou en triple. Il y en a quelques-uns que j'aimerais avoir dedans, mais si on suit vraiment ce qu'il y avait de marqué, Faucon, ce sera le numéro 40, il n'y a pas grand chose que je veux entre 30 et 40. Vision aussi qui va arriver un peu tard. Donc ce que je vais faire, c'est que je pense aller jusqu'au numéro 29-30, et puis après je ferai un petit peu du cas par cas. Voilà, pour vous dire un petit peu mon futur avec cette collection, qui devrait compter, à la base je crois qu'elle devait faire 60 numéros, finalement il y en aura sans doute 80, donc ça va déjà être bien chargé, d'autant que je vais commencer une nouvelle collection, que je vais vous présenter, je pense là, très rapidement, avant le début de l'année 2017, à laquelle je me suis abonné, et voilà, au bout d'un moment ça fait quand même un petit peu de frais, toutes ces belles choses là. Voilà donc pour cette très très jolie figurine, que je suis super content d'avoir dans ma collection, qui va rejoindre les autres. D'ailleurs, un de ces jours, je vous montrerai à quoi ressemble ma collection, où est-ce qu'elle en est, parce que je vous avais fait les 15 premiers numéros. Maintenant, il y a quand même 8 figurines de plus. Voilà, le prochain numéro, alors, lui, sera consacré à Nebula. Donc, Nebula, qui est le sbire de Thanos, un petit peu dans les Gardiens de la Galaxie. Donc, bon, voilà, encore une figurine qui ne me fait pas rêver du tout. Et qui va rejoindre mes trois autres gardiens de la galaxie que je n'ai même pas mis avec ma collection habituelle, à savoir Drax, etc., etc. C'est un petit peu voilà, dommage parce que je suis pas fan du film. Les figurines sont belles, celle de Drax est très jolie, Star-Lord est sympa, Gamora aussi, mais voilà, ce sera Nebula, et normalement le 25, ça devrait être la bonne surprise, et être Hawkeye. Voilà, je vous souhaite à tous une très très belle journée. Continuez d'être fidèles à Comixiteur. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous aimez les ouvertures de figurines, il y en aura encore plein. C'était donc le pur War Machine, comme dirait Don Cheadle dans Iron Man 3, dans Avengers 2. C'était Iron Patriot. Très belle journée à tous, à très vite.